Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle et petite vidéo où je vais vous montrer des petites aquarelles que j'ai reçues et commandées sur une petite boutique Etsy. C'est des aquarelles artisanales. Comme vous savez, j'ai vraiment beaucoup apprécié les aquarelles granulation. Vraiment, j'adore, moi qui ne sais pas dessiner ni agrémenter mes fonds. Type avec des fonds, des arbres, des sapins, tout ça, voilà. Oh, c'est trop mignon. Elle m'a mis aussi des petits swatchs de couleurs que j'ai pas pris. Tini. Alors, la boutique, c'est Tini Watercolor Art. En fait, en ayant fait le tour sur Amazon Oh là là, c'est joli. Trop mignon. C'est hyper personnalisé, trop mignon. Donc ça, c'est sa petite carte. Tini Watercolor. Elle a aussi un Insta. Voilà. Donc en fait, en ayant fait le tour sur la boutique, sur Amazon, en cliquant aquarelle granulation, voilà, j'ai trouvé plusieurs gammes. Il y en a trois que j'ai pas encore testées parce que je vous dis que j'aime pas commander en décembre parce que c'est toujours le bordel. Parce que la dernière commande que j'ai fait, j'ai reçu quelques articles mais pas tous. Et j'ai pas reçu les deux boîtes. Parce que j'ai pris deux boîtes, j'en ai pris une pour une colocopine. Et je ne les ai toujours pas reçus. Donc, par contre, aujourd'hui, j'ai reçu celle-ci. Et c'est vraiment celle-ci que j'attendais avec impatience. Parce que du coup, un soir, j'étais sur Etsy et j'ai cliqué aquarelle granulation artisanale. Et j'ai trouvé deux boutiques, donc celle-ci et une autre. J'ai regardé les swatchs parce qu'en fait, sur la boutique, elle a mis des petits swatchs comme ça. Et j'ai adoré ces aquarelles. Alors, pour tester, j'en ai déjà pris. En plus, regardez, c'est mignon, elle met du petit truc là, tout brillant. Pour commencer, j'en ai pris donc 4 couleurs. Elle a eu la gentillesse de m'en offrir deux autres, donc on va essayer. Puis si je les aime bien, je lui prendrai certainement. Je vous mettrai le lien de sa boutique en description de la vidéo. Elle fait également d'autres petites fabrications artisanales, donc je vous invite à aller visiter sa petite boutique. Alors, je vais déjà les ouvrir. Hop. Alors, je vais garder les petits numéros pour le numérocier, à moins que ce soit écrit dessus également, mais en tout cas, elle les protège bien, hein. Ces petites aquarelles. Oh là là. C'est très très bien protégé, les petites aquarelles. Ah, ok. Il suffit de comprendre qu'elle a mis un petit scotch très petit, comme ça, tu arrives à le choper. Oh, bah si, c'est écrit en dessous. Trop mignon. Eden, Island, PB28, PR202, PY159. Waouh, elles ont l'air trop bien. Sent bon. Oh là là, elles ont l'air vraiment belles. Ça, je vais les mettre à côté. Alors, attends, j'ai compris. C'est un petit bout de scotch. Je pense que je vais pas mal apprécier ces petites aquarelles. Ensuite, j'ai chopé une petite feuille aquarelle. Ah, c'est mon enceinte. Donc, Mahogany Blue PB15
PBR8. Oh là là. Ça a l'air très 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 beau. Je pense que je vais les garder, ces petits cartons. Je vais tout poser là pour le moment. Hop. Sur Etsy, on trouve de tout. Hein. En plus de trouver des beaux livres. Alors, j'ai pas eu pour cher de d'envoi pour le coup. Bah ouais. 6,25 €. J'en ai eu. De livraison. Attends, regarde, si j'enlève mon nom. Tac. T'as le prix des peintures, shipping, hors taxe, TTC. Voilà. Donc le godet, tu comptes entre 8 et 10 euros. Moi, franchement, je pense que c'est le prix de... d'aquarelle artisanale, hein, parce que quand tu vois le prix des aquarelles qui sont certes de bonne qualité, mais qui sont un peu plus industrielles que celles-ci, c'est déjà vraiment pas donné. Après, perso, pour avoir essayé les deux, je m'aperçois que je préfère quand même les godets. Même si les tubes, tu peux les mettre en godet, je m'aperçois quand même que je préfère les godets. Les scotch, c'est vraiment pas mon délire. Alors, celui-ci, c'est... Toc. Tiger Ace PY110 PR101. Oh! Trop marrant, on va voir. Bon, le seul truc que j'aime pas dans les aquarelles godets, c'est que ils les emballent individuellement, mais bon, je comprends, c'est normal. Alors ça, c'est la Guinin Indigo NB1. Hop, tac. Les petits cadeaux qu'elle m'a fait, c'est Storm Wave et Paradise Bird. Voilà. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai pris cette couleur-là parce que, comme je vous ai dit, dans ses petits swatchs sur sa boutique, elle les montre et je les ai trouvés vraiment jolis. Je vais prendre un papier, ce que j'ai le plus là, les Canson Mondeval. Hop. Mes mères, vous avez froid ce soir? Bah oui, il va falloir qu'on se réhabitue à ça. Allez, filles. Hop, alors on va noter.
Arrête Donna. Tac. Alors normalement, il me reste un peu de place. Ouais, cool. Je vais les placer dans ma petite palette comme ça après là. Celle où j'avais mis les Holben et les. Les Paul. Je sais pas pourquoi je dis Paul. Hein. Je crois que c'est Daniel Smith. Donc voilà. C'est à chaque fois. À tous les coups. Une fois que j'ai pris une habitude, moi, c'est foutu. Là, j'allais prendre la bouteille de coca pour remplir le pinceau à réservoir d'eau. Elle est en forme, la gonzesse, ce soir. Très, très en forme. En fait, je viens de finir tout ce que j'avais à faire à la maison. Nous sommes quand ? Nous sommes mardi soir et il est minuit, donc on est mercredi. Et on est le 14. Tu vois ? Et oui, jeudi c'est le round 1 de la battle. C'est notre beau gosse qui va voter en plus. Alors, appelez. On y va pour le Stornoway. Je vais faire un peu comme des espèces de petits nuages. Ça, on va voir. Hop. On va laisser sécher. On va poser le Paradise Bird. Oh. Oh là là, j'adore cette couleur là. Oh, bah déjà le combo des deux là, il déchire. Ah, c'est mon petit chauffage d'appoint qui se déclenche, désolé. Ça veut dire que la température elle baisse comme je laisse un petit fil d'air passer pour la clef. On va laisser sécher. Donc ça, c'est les deux qu'elle m'a offertes. Et ben, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Là, maintenant, on va faire la Eden Island. Là. Bah déjà, regardez. J'ai pris, je sais pas si ça va se voir. Hop. Regarde, ça devient déjà. Ça change de couleur quand on prend. Ça fait bleu, mauve. C'est ça que j'adore dans ces aquarelles-là. C'est pas seulement la granulation, parce que. Ouh là là. Moi, dans
Namia. Pourtant, j'en ai pas pris beaucoup là. Oh là 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 là. Elles sont magnifiques ces aquarelles à cette femme. Oh là là. Ouais, je disais l'effet granulation. Ce que je kiffe, c'est que ça te met du blanc sans en mettre et pourtant en badigeonnant partout. Et ça, j'adore parce que bah, du coup, avec la schmink, là, j'ai plus du tout besoin d'ajouter du blanc dans mes fonds. Ça se fait tout seul. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand elles font un peu multicolore, là. Oh, je trouve ça génial. J'ai même essayé de trouver des aquarelles multicolores. Et ça, par contre, j'ai pas trouvé. Donc, bon, dans certaines gammes, t'as des petites couleurs qui font un peu des effets machin, mais c'est pas de fou. Mis à part les granulations où je trouve vraiment que bah, ça mélange le blanc à une autre couleur, quoi. Alors là, on va faire la Magoma machin là, celle-là. J'ai bien rincé mon pinceau, donc c'est celle-là. Donc du coup, bah, je vais en prendre un petit peu moins que ce que j'ai fait à côté parce que. Elle est très très intense. Ah ouais, vous voyez là, et j'en ai pris moins là, hein, pour vous dire. Donna, tu peux leur foutre la paix, s'il te plaît? Tu peux arrêter de lui tourner autour là? Laisse-la, cette chatte. Magnifique. Oh! Eh, je suis fan, les meufs. Je suis fan. Je suis super impatiente d'avoir la dernière boîte d'aquarelles que j'attends, là, qui m'ont mis en cours d'acheminement, mais retardée. Mais alors, celle-là, j'en suis hyper ravie. Et en plus, les couleurs qu'elle m'a données, elles vont hyper bien avec bah, celles que j'avais choisies. Donc, c'est trop, trop bien. Donc, là, on va essayer la. Tiger Ace. Genre une belle couleur désert là ou un peu vintage, c'est top. Et là, on va prendre la dernière, la Génune Indigo. Alors, elle n'a pas énormément de couleurs hein, pour le moment. Je pense que ça doit pas faire longtemps ou je sais pas. Enfin, peut-être que sa boutique est ancienne, mais peut-être que les aquarelles, c'est plus récent. Mais en tout cas, elle peut continuer à nous faire des couleurs parce que, mais regardez, rien que ces six couleurs-là, elles sont vraiment très très jolies, ces aquarelles. Elles sont vraiment très très belles. Franchement, elles sont très jolies. Je les aime beaucoup. Pareil, encore un coup de cœur. Ces derniers temps, tout ce que j'achète, je kiffe. Trop bien. Elles sont magnifiques. Je vais dézoomer pour qu'on voie en entier. Ah, il faut que je remonte un peu le téléphone. Voilà, là on voit bien. Alors, je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux pour qu'on voie la couleur définitive. Et bah, je vais sans doute les tester sur un fond. Et je vous montrerai ce que ça donne. Terrible.
celle-là mélangée à celle-là, là. Oh là là. Celle-là mélangée à celle-là, là. Je les kiffe terrible, les filles. Oh, elles sont trop belles. Elles sont terribles. Magnifique. Elles sont toutes très très belles, en fait. J'adore. Donc ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire qu'on va aller faire un petit tour sur sa boutique. Et on va aller regarder ce qu'elle a d'autre comme couleur. Voilà, donc sa boutique, c'est celle-là. Teeny Watercolor Art. Voilà, ouais, moi, c'est ça que j'avais vu, tous les petits switches. Tu vois, c'est chaud de choisir des couleurs parce qu'il y en a tellement des jolies, quoi, que t'as envie de toutes les prendre. Oh là là, le carmine authentique, là. Marron à cajou. Celle de Noël. Franchement, elle fait des trucs magnifiques. Donc là, on est dans la handmade. Après, t'as la Scheimer. Donc ça, moi, j'ai pas du tout pris parce que bah, vous savez que j'aime pas les métalliques, les aquarelles métalliques et j'aime pas les aquarelles nacrées. Voilà, je suis pas fan. Du tout. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment cette gamme-là, quoi. Je la trouve vraiment magnifique. Et je pense que je vais toutes prendre les couleurs que j'ai pour. Merci Donna. Oh, Mystery Gloom. Ultramarine Pink, elle est magnifique aussi. Moi, oh. Bon, prenant tout ce qui est truc doré, là, j'aime pas. Cette de Noël, il a l'air très 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 joli. Il y a un joli vert. Argenté, non. Le genre un peu scintillant, là, par contre, ça a l'air sympa, tu vois, parce que ça l'est, mais moi, oh, remarque, ça a l'air quand même vachement... Ça a l'air quand même vachement métallisé, quoi. Et regarde, elle fait aussi des petites boîtes, enfin, des petits coffrets pour mettre les aquarelles en céramique, c'est trop mignon. Les poses pinceaux en céramique. Regarde comment c'est trop mignon. Ça, je vais lui en prendre. Hein. Parce que je trouve que c'est trop pratique. Ah ben voilà, ça c'est parfait. T'as la petite palette et t'as le petit pose-truc. Ça, c'est bien. Ah, t'as envie qu'il y en ait d'autres et encore les scintillants, je vais pas kiffer donc tout ça, non.
Le jaune banane, il a l'air pas mal, mais c'est du scintillant. Le scintillant, je suis vraiment pas fan. Donc je vais pas prendre quelque chose que après je vais pas poser. Golden Wave. Perle blanche, ça peut-être, parce que le blanc, c'est tellement bien, même quand c'est métallisé. Le pink scintillant et le Aqua Shine Blue Saphir, ça c'est scintillant, non. Par contre, les sets de Noël, là, ils sont vraiment pas mal. Voilà, t'en as un à deux. Là, t'en as un à trois. Aquarelle faite à la main. Pigment, gomme arabique. Aquarelle. Ah oui, tu peux prendre avec ou sans la boîte. Mars Blue. Midnight quelque chose. Et Shadow Green. Ça me plaît bien, ça. Avec ou sans la boîte, bah, je vais en prendre une avec et puis une sans. Parce que est-ce que l'autre set, c'est les mêmes couleurs? Dans celui-là. Celui-là, c'est celui que je viens de prendre. Dans celui-là. Ouais. C'est le même. Marron acajou, je l'aime bien celui-là. Sélectionner une option. Ah oui, et t'as plusieurs tailles. T'as soit les petits, soit les grands. C'est pour ça qu'ils sont à 8 euros. Parce que moi, j'ai pris les gros. Donc les gros sont comme ça. Donc imaginez-vous que les petits. Ça doit vraiment pas faire grand-chose. Bah, ça se trouve, c'est ça. Non, je pense pas quand même. Moi, je prends grand format comme ça. Ah ouais, celui-là, par contre, le carmine authentique, là. Ça, je prends direct. Je kiffe. Ultramarine Blue, il est beau aussi celui-là. Scintillant, non. Ultramarine Pink, ouais, celui-là, je l'ai vu tout à l'heure aussi. Bah, je crois qu'après, je vais avoir toute sa collection quasiment. Celui-là, je ne l'ai pas non plus. Putain, il y en a, ils sont à 20 balles. Celui-là, il est à 20 boules. Par contre, celui-là, il est beau. Ouais. Forest. Oh, après, tout ce qui est rouge, moi, j'adore. Alors là, ça, c'est sûr que je prends bleu corail. Ouais, ça j'aime bien aussi. Hein. Ouais, au final, c'est bien ce que je vous ai dit. Je vais toutes les prendre. Je les aime trop, ces aquarelles. Mystery Gloom. 10 balles, celle-là. Terre lunaire. Et en fait, elle en fait des nouvelles à chaque fois. Hein, parce que, bah, par exemple, l'Italian Gold, là, il n'y était pas. Et ça, celui-là, je l'ai. Ça en fait 14. Cool. Franchement, je vous invite à aller découvrir sa boutique parce que donc là, ça fait donc en prenant tout plus la donc il y a une réduction de la boutique de 22 euros et la livraison du coup, elle est gratuite là pour ma commande et ça me fait 195 euros. Voilà. Mais je m'en fous, je kiffe et franchement je sais que je serai pas déçue. C'est pour ça que la première, je les ai pas toutes prises. Parce que je voulais être sûre que j'aime et j'aime. Donc voilà, et je suivrai sa boutique et quand il y aura des nouvelles couleurs, j'en prendrai et tout parce que
trouve que c'est trop bien. Donc là, tu vois. Si je mets à côté les Daniel Smith. Les Ruben. On est sur des couleurs non, non granulation. Hein. Franchement, il n'y a pas à chier dans les aquarelles. Ce que j'aime, c'est vraiment les granulations. J'ai vraiment trouvé mon bonheur avec celle-là. En passant, je fais un gros bisou à Johanna parce que c'est une des premières que j'avais été voir. Parce que quand j'ai vu le prix de la Schmink, je me suis dit, je vais quand même demander. Parce que des fois, vous savez, c'est pas parce qu'il y a des trucs chers que c'est du tonnerre de Dieu. Donc, il faut se méfier, quoi. Oh, remarque, je vais plus les mettre dans la chemise, justement. Je crois qu'il me reste aussi de la place. Et donc, en fait, quand j'ai été la voir, elle venait elle-même de recevoir une petite boîte comme ça, là. Et du coup, elle m'a dit elles sont bien. Et je regrette absolument pas de lui avoir fait confiance. Je pense que je les changerai de place quand j'aurai reçu les autres parce que du coup j'aurai plus de place là. Hop. Pour le moment ça rentre là-dedans, donc comme ça ce sera bien conservé. Hop. Bah franchement les meufs, je suis trop contente. Là je vais valider mon panier. Hop. Et je ferai avec vous le. Les autres couleurs, par contre, là, comme j'en ai pris un petit peu plus, je le ferai en musique et en accéléré parce que je vous aurais déjà exposé mon ressenti. Et franchement, je les adore et je sais que je ne penserai que du mieux de ce qui pourra arriver ensuite. Voilà. Donc, en plus, je vous ai montré un peu les swatchs qu'il y a sur sa boutique et ils sont vraiment très, très jolis. Et je vais d'ailleurs lui laisser un petit message pour lui dire que je viens d'essayer et que... je la remercie et que je suis hyper contente d'avoir reçu ces aquarelles. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine, on se testera les supervisions. J'attendais, j'espérais avoir l'autre, mais je ne l'ai pas encore reçue, donc tant pis, on testera déjà celle-ci. Et ensuite, je referai une petite vidéo et elle sera vraiment très courte parce qu'on n'aura que 5 ou 6 tubes, je crois, dans celle-ci que je vous avais également montré dans une des dernières vidéos quand je les avais reçues. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt à tous pour une prochaine vidéo. Et puis, merci de me suivre. N'hésitez pas à me donner vos petits avis. Gros bisous à tous. Ciao.